Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mams TV. Alors surtout n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, petit don, souscription, réellement pour aider cette chaîne, ça serait super sympa, vraiment, vraiment un grand merci à vous et un grand merci aux nouveaux abonnés et à ceux aussi qui sont restés abonnés. Et surtout vérifiez parce qu'apparemment il y a une petite pandémie de désabonnements par YouTube et puis ils vont vous abonner aussi à des trucs un petit peu loufoques. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés, que la cloche fonctionne pour être notifié de ma prochaine vidéo. Un grand merci à vous d'avance. Donc vous le savez tous, la France est à la limite d'être à feu et à sang. Et pendant ce temps-là, bah Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se taper un petit match de foot. Si. Avec un maillot limite couleur de l'OM. Bon, bref, on sait qu'il aime plus l'OM que le Paris Saint-Germain. C'est pas un scoop, et après tout, il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut, il supporte le club qu'il veut, ça, à la limite, rien à foutre. Mais qu'il s'autorise de faire un match de foot alors que la France est dans une crise sans précédent, ça prouve réellement qu'il en a strictement rien à carrer et que pour lui, tout va bien dans le meilleur des mondes, qui au contraire, c'est exactement ce qu'il veut pour la France. Ce qui est en train de se passer là, c'est exactement ce qu'il veut pour la France. Donc c'est un article de la Dépêche.fr qui a été publié donc, le 22 avril 2024. Il titre « Emmanuel Macron, crampon au pied, maillot de foot, le président de la République de retour avec le Variété Club de France ». Donc, si vous pouvez aller au match, c'est le 24 avril, hein, dans la ville de Plaisir, dans les Yvelines, je crois. Eh bien, écoutez, allez-y pour aller le huer et crier « Macron démission », hein, voilà. Après tout, hein, ça ne serait qu'un retour, qu'un bon petit retour de bâton. Ok, donc l'article a été écrit par Lorena Duret. Alors, il est de retour sur le terrain. Et Emmanuel Macron chaussera les crampons ce mercredi 24 avec le Variété Club de France. Le président de la République et ses coéquipiers joueront afin de récolter des fonds au profit des pièces jaunes. J'aimerais bien savoir où ça va cet argent-là aussi. Parce que normalement, je crois que c'est pour Emmaüs hein, ou le Secours Populaire, ça. Hein. Est-ce que ça y va réellement? Question. C'est comme le Téléthon. Hein. Est-ce que ça va réellement pour la myopathie? Ou alors, en tout cas, la totalité va-t-elle réellement? Voilà, s'ils en prennent peut-être une petite partie. Donc, deuxième passage sur le terrain de foot pour le président de la République. Le 24 février prochain, Emmanuel Macron va rechausser les crampons aux côtés de Variété Club. Le match se déroulera donc à Plaisir dans les Yvelines. Le club qui rassemble régulièrement des personnalités médiatiques, organise cette rencontre plutôt dans le but de récolter des fonds pour les pièces jaunes. Cette opération a pour but de récupérer de l'argent pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Ah, je crois que c'était pour Emmaüs, moi, les pièces jaunes, apparemment. Bon, ok, ça marche. Donc, 3 ans après son premier match avec le Variété Club de France, le président de la République sera accompagné d'un certain nombre de personnalités issues du monde du foot ou non. Alors, il me semble qu'il y a Pogba qui va être là, Giresse, etc. Bon, il n'y a pas Zidane, apparemment. A autre chose à foutre. Enfin, en tout cas, je crois pas. Hein, parce que là, il y a, comment il s'appelle sur Pro, là, le journaliste sportif. Eh ben, j'ai plus son nom, qui a annoncé la liste des joueurs. Et j'ai pas entendu Zidane, en tout cas. Donc, parmi elles, il y aura les champions du monde 98. Ah, voilà, on va les avoir. Donc, Laurent Blanc, Christian Carambeu, l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, devrait lui aussi être de la partie. D'autres anciens joueurs seront aussi sur le terrain, comme Robert Pires, ah oui, j'ai dit Giresse, autant pour moi, Daniel Van Buiten, Frédéric Piquionne, ou encore Mamadou Niang. Brigitte Macron sera quant à elle en tribune pour soutenir son mari. Non mais vraiment, si vous habitez pas loin, prenez-vous un petit billet, ça sera pour la bonne cause. Et puis, si vous avez un t-shirt Macron démission, vous brandissez l'autocollant de notre ami David, Macron démission, et huez-le et faites Macron démission dans les tribunes, quoi. Voilà, ah, honnêtement, dès qu'il aura le ballon, Macron démission. Je sais pas, un genre de truc comme ça, ouais, je sais pas, bref.
Moi, je pourrais pas y aller, c'est trop loin. Hein. Donc, lors de son dernier match, pardon, en octobre 2021, Emmanuel Macron avait joué en tant que milieu de terrain. Il avait marqué un but sur pénalty. Le locataire de l'Élysée et son équipe avaient affronté une équipe composée de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy, de Saint-Germain-en-Laye. Ah oui, c'est vachement équitable, dis donc, entre des anciens champions du monde de foot et des... une équipe de soignants, encore que, le foot amateur, attention, hein. Je sais que l'équipe de Granville, l'UGC, avait maintenu l'OM en match nul jusqu'à la première mi-temps, mais après il y a eu un carton rouge côté Grandvillais, donc du coup forcément l'OM a pu remonter et les battre. Mais il n'y aurait pas eu le carton rouge, ça aurait pu faire match nul. Donc faut se méfier de ces petites équipes amateurs-là, mais enfin bon, là quand même, bon, ça me paraît un petit peu pas très équitable. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pour la bonne cause. Mais bon, pendant ce temps-là, la France souffre et l'autre, Zozo, là, il est en train de taper sur une balle et de s'éclater. Alors moi, je sais pas vous, hein, mais moi, ça me fout hors de moi, ce genre de truc. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à foutre? Les pièces jaunes, il a sa bonne femme qui peut aller récolter les pièces. Voilà, lui, il n'a pas à participer à ce genre de manifestation sportive-là. Il a largement, mais largement de quoi faire ailleurs. Hein? Alors là, il y a eu un témoignage aussi d'un minot de Marseille. Il dit, place nette, ça ne sert à rien. On part, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Le gamin, il gagne 100 balles par jour. C'est un guetteur. Voilà, 14 ans le minot, hein. Et avec un vocabulaire un petit peu banlieusard, vous voyez, un peu. Et il est fier, en fait, de faire ce qu'il fait. Donc, ton opération place nette, donc ça mobilise des forces de l'ordre. Ça mobilise un pognon du contribuable de dingue. Voilà, parce que c'est vous qui payez, hein, pour ces opérations-là. Pas croire. Commande du champagne à outrance. Il fait la fiesta. Il y a encore eu... il a donné la Légion d'honneur à Thierry Ardisson. Alors moi, j'ai rien contre Thierry Ardisson, hein, mais de là, lui filer la Légion d'honneur, il va falloir qu'on m'explique. Surtout qu'Ardisson avait plutôt eu la dent dure contre Macron. Donc là, il essaye de récupérer quoi, des people là, pour que les Européennes, ça se passe bien, parce que ça se passe pas bien du tout. Hein. Je vais faire une vidéo là-dessus. Il est en train de reprendre un ancien ministre de diplomatie, là, comment ça s'appelle, ça, ces gens-là, je sais plus, zut, le titre. Enfin, je vais vous faire une vidéo dessus, vous allez voir, tellement ils sont en panique, mais ils sont en panique totale. Donc, faut aller voter le 9 juin pour leur mettre la nique, quoi. Même Charles Gave le dit, c'est quand même pas le dernier des imbéciles, Charles Gave. Il l'appelle l'animal, d'ailleurs, Charles Gave, quand il parle de Macron, il dit l'animal. Il a pas complètement tort, hein, c'est le diable, ce mec, c'est même plus au stade de l'animal, c'est le diable, il fait partie de sectes, il fait de la magie noire, il fait... Voilà, c'est terrible. Enfin, voilà, je voulais vous faire part de ça, je pense que vous en avez peut-être entendu parler déjà, c'est possible, mais sinon, écoutez, je vous en informe. Donc pendant que les Français triment, l'autre, il va aller taper le ballon. Voilà, donc si vous pouvez réellement, hein, mais vraiment, hein, si vous êtes dans cette zone-là, ou même si vous habitez Paris, les Yvelines, c'est quand même pas trop loin, vous allez à plaisir, et puis vous prenez votre petit billet, vous participez aux pièces jaunes, donc bonne action, et vous huez ce connard dès qu'il a le ballon, et Macron démission. Voilà, moi je dis que ça serait le coup à faire. Et ça serait bien que ça soit bien médiatisé tout ça, qu'il y ait des caméras partout, qu'on puisse constater que le mec, voilà quoi. Voilà. Et après, encenser les autres joueurs, bien évidemment, hein, nos anciens champions du monde, etc., etc. Voilà. Bon, écoutez tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura informé du moins et plu. Partagez, hein, surtout, n'oubliez pas, partagez sur vos réseaux sociaux bouche à oreille, hein, si vous avez aimé cette vidéo. L'abonnement, la cloche, le pouce, bien sûr, le petit don, la petite souscription, si vous le pouvez, bien évidemment, pour aider cette chaîne à s'améliorer. Et puis quoi de vous dire d'autre que de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, très important mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine MCV. À ciao.